Lena le zoto bobimba gunagu zoto bobimba le zoto bobimba gunagu in the project they say me zumba go keep begging and begging and begging a call there is nothing that she want more she can't be everywhere in the world but wants for the rest of her life with me. Vous êtes lourd, faites du bruit, faites du bruit, on appelle très fort, faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. L'artiste, son nom c'est Negesse. Yes sir. Negesse. 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 Et les personnes qui ont accompagné l'artiste Negesse, c'est Okapi Danse. Merci au groupe Okapi Danse. Merci. Thank you. Check, check. Respect. On est ensemble. Alors, Negesse, viens. On va se voir rapidement pour parler de toi. Negesse. Yes, sir. Le titre, c'est Elokoyo. Le titre, c'est Elokoyo. Pourquoi Elokoyo? Elokoyo, c'est une idée, en fait, à savoir qu'en featuring, on est avec un artiste local, DJ Abdul, ouais. Avec en guest, la participation de monsieur Michael Dauphin. Jackson. Michael Jackson, a.k.a. Dauphin. Ok. L'homme qui tient Kinshasa, on est ensemble. Merci. Donc Elokoyo, c'est... C'est Elokoyo. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Yango, this is it, Yango. This is it. Yeah. What is alors, it? Je sais que Negesse, c'est un artiste qui évolue pas mal. Il vient fraîchement de New York. Yes. Et tu fais de navettes New York, Paris, ainsi de suite, tout yes. ça là. Yes. J'ai vu tes photos avec La Fouine, avec Youssoupha, ouais. J'ai vu avec plein d'artistes, genre Michael Jordan, des vidéos avec lui. Yes. Donc tu es en collaboration avec toutes ces personnes-là. Je fus danseur de 50 Cent. Ah ouais? J'ai commencé avec la danse, ensuite j'ai été dans l'audiovisuel. Ok. J'ai fait du DJ, donc j'ai un peu touché à tout. Ok. Ce qui a construit, qui a fait maintenant, je suis Negesse, derrière le speak English? I do speak English. Very well? I do. Well, can you talk to me in English? Yeah, yeah, we're talking English, boy. You know, that's my bro right here. You know, that's a pleasure. It's a pleasure for me to be here. You know, Africa, Congo, representing, you know, all around the world, all the way from New York City. Now we're here. Until, yeah, until, yeah. Ok, alors l'artiste, non, c'est Negesse, quand je l'ai dit tout à l'heure, là, il vient fraîchement de New York, ça fait, c'est depuis samedi que tu es là. Depuis samedi, je suis là. Depuis samedi, donc ça fait pratiquement quelques jours. Ça fait, ouais, presque une semaine. Et on m'a dit, on m'a soufflé par un de tes oncles, Cordon Relique, que je salue, tu as quitté Kinshasa depuis l'âge de 6 ans. Yes. Wow. Yes, sir. Depuis l'âge de 6 ans. Bravo, félicitations, ouais. Et le revenu. Comme je vous l'ai annoncé dernièrement, Negesse avec lui, bon, on va parler par rapport à la date d'aujourd'hui parce que le tournage s'est fait le 25 décembre, le 25 juin, disons. Le 25 juin, comme vous le savez, c'est ce qui explique aussi ma tenue tout à l'heure là. C'est une date que je n'oublierai jamais. Pourquoi je dis que je n'oublierai jamais? C'est une date où il y a une personne qui a contribué dans ma vie artistique, même de loin, même si la personne ne me connaissait pas, bien que la personne est morte. Cette personne a contribué beaucoup dans ma vie. Aujourd'hui, Dauphin, à part du fait que vous m'appelez Dauphin Blumadadi, à part du fait que vous m'appelez Joseph Kabila parce que j'imite Kabila, à part du fait que vous m'appelez Étienne Tshisekedi parce que j'imite Tshisekedi, à part du fait que vous m'appelez André Kimbuta parce que j'imite le gouverneur, vous m'appelez Michael Jackson. Quand on me voit aujourd'hui, on dit Michael Na Oboe Biwana. Donc ça me fait du bien, ça me fait vraiment, vraiment du bien aujourd'hui. Et c'est grâce à Michael Jackson. Tu feras un tabac toi, aux États-Unis. C'est vrai? Textuellement, Michael. Yes. Yeah, yes. Good, sir. I love you. Oh, I'm wondering my brother. I see my brother here. Let me see something. You see my brother? Let me see. Where's your brother? Oh, that's this is my yeah. brother. Yo. I got it. This yo, is can, yo, can you just do a little step? Michael Jackson step like? This is me, Minister 86. Okay. Well, yeah, back in the and day. Me? 2003, 2004. that's a fresh one, brand new. Can I see some step like, you know, dance, do the Michael Jackson step? Step? Yes. Step. Oh, step, not better. Thank you, yeah. Hello?
Hello? Hello. You're from New York, Nicky Mo. Are you okay? Okay. Yeah, I'm from Vietnam. No, I speak English. You speak English? No. You speak what? In Tandu? Ngala Francais. Swahili? Jambo. Jambo. Jamsan. Jamsan. Oui. Yeah. You not talk what? No, me, I'm talking to a Congo. I know you don't talk, you talk to Congo, you talk what? I talk Lubumbashi, Katanga. Lubumbashi? Katanga. Yes, okay, I beg you, calming tea. Yes, thank you. On va continuer cette émission, on va commencer, on va démarrer cette émission jusqu'à la fin. Alors c'est un réel plaisir, Négissi, sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise dans l'émission, il y a tout le monde qui est là. Un public qui est super intéressant parce que c'est les vacances. Et déjà j'ai dit bravo à tous les finalistes qui ont réussi parce qu'aujourd'hui 25 et vous avez fini vos 4 jours des examens d'état. Est-ce qu'il y a des finalistes ici? Il y a des finalistes? Manifestez-vous, manifestez vos finalistes! Ouais. Tous les finalistes, que Dieu vous bénisse. Déjà, on colle la salaï 100%. Quoi ça? Nice finaliste, nice finaliste. Nice finaliste. Tu vois, finaliste, mon frère, on a moins de 86%. On a moins de 86%. Nani tout finaliste, mon frère. Yamba, 76. Nani finaliste. Nani finaliste. Ouais. Ouais, finaliste. Yo. Le gars, c'est moins de 30% la vie, non, mon frère. Alors, on va aller rapidement avec les comédiens qui ont passé aussi, presté vite fait. Négocier, ça c'est pour toi. J'aimerais bien qu'on appelle cette fois pour Tintin et Minzo. C'est parti! Minzo. Papa? Obelagini, quoi? Hein? Obelagini. Papa, n'ayez-vous pas merci de vous tenir. Il n'y a pas santé, il dérange ma case pendant 3 mois. Le bel est bon, vernis. Bazoua qui a la diminution, y'a maille à Michou. Hein? Bandeko, baloubi, y'a des mouches à Wana, t'as pas de la famille, moi, y'a la maille à Michou Bima. Exactement. Ah, vous, vous, ma total. Chris, même, grosso moi, na Luanda, Zaraki Wana. Eh, Grabi Koussou. Baye, écoutez, la gana, ma colobe, je n'ai pas Ascaris, n'a genou. Eh, et bon, ordonné, soit, il va commettre la gana, bande, vous, tout, n'a nini. Français. Ubikika kapo mukola ngo nezala kameto jenu na biro eh. Omoni. Ah mami. Bye bye itela na France na moi okubenga nguboy na lubango. Loba. Bye bye itela na moi na France okubenga ngo la papaye et choco par le soleil. Ah mami. Bon. Non, quoi là, n'a pas eu dauphin. Tellement de l'estasie, bison à ma carte, il y a aussi la gagate. Bon. Trois poteaux, il y a un venu bas qu'on vous salue à vous bongisha. Maman, n'a pas eu dauphin, courez, ils attendent, n'a pas eu moulini. Non, quoi, ça vous l'a tellement à Zalag n'a pas eu à vous que nous sommes sous la. Cossé sous la zé. N'a pas eu à vous faire du souffle du souffle. Salon. Bon. Tellement le bon que Banagi vous l'a gagné à l'immédiat, à Zagou Luga Boy, le bon que vous m'attendez de moi et moi, c'est mon con. Bon. Moi, le mois, c'est dernier, il y a tel le bon que Nanga Mogu Yango, Yango, le bon que Monsieur Yango, Yango, Macon Nanga Yango, Yango, Yango,
Merci. Ça te fait quoi quand tu vois les artistes moi j'ai dit la RDC c'est bourré de talent. Ça te fait quoi? Non, non, c'est excellent. Franchement, on sait très bien que le talent vient d'Afrique. Ok. La base, le commencement, ça vient de l'Afrique. Et ça se propage partout dans le monde. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut voir 50 Cent, moi je dis que c'est un Africain, bien qu'il est Américain, c'est un Noir. Quand il faut voir Michael Jackson, c'est un Noir. Il faut voir Mike Tyson, c'est un Noir. Il faut voir Michael Jordan, c'est un Noir. Mm-hmm. Charles Barkley, c'est un Noir. Scottie Pippen, c'est un Noir. Eddie Murphy, c'est un Noir. Il y a encore qui là? Il y a plein d'artistes noirs. Moi, je dis non, franchement, tu as raison, tu viens noir. Alors, tout à l'heure, juste après l'émission, tu as rendez-vous avec Werrason à la Zamba Player. Oui, oui, oui. Tu as un truc à faire avec lui. À savoir que j'ai été invité spécialement par la marche, la grande marche, enfin, la marche des retrouvailles. La marche des retrouvailles, qui aura lieu ce dimanche. Dimanche, voilà. À Roméo Golf. OK. Où je me produirai avec Werrason. Werrason aussi, OK. Voilà, donc je suis arrivé avec un star. J'ai tout le monde. Le dimanche, Roméo Golf, on se voit tous là-bas, Roméo Golf. Venez, ça serait super intéressant. Donc, c'est super intéressant. Voilà. Alors, donc, je suis venu avec pas mal d'amis américains, européens. Voilà, qui sont là avec nous. Et là, spécialement, j'ai aussi été invité par Werrason. D'accord. Il va me présenter à son public à Et la si Samba tout va Player. Bien, tu seras encore au concert de Bill Clinton. Oui, ça c'est confirmé. Ça c'est confirmé. Donc je serai avec Bill Clinton le lundi 29. 29. Wow. Alors, ça se passe très bien, quoi. Donc, quand même, ça va. Moi, j'apprécie beaucoup parce qu'il doit y avoir, comme j'ai toujours dit dans mes spectacles, dans mes vannes, il doit y avoir ces échanges culturels, au fait. Yes. Congo, États-Unis, Congo, France, Corée, Paris. C'est qu'il fait un peu ensemble. Il y a un truc qui est en train de revenir encore, quoi. Moi, je suis très content, quoi. Il faut, ouais. Ok, tranquille. Et c'est ce que je dis, moi, tous les producteurs, vous soyez en France, aux États-Unis, ce sont des gens d'artistes que vous avez besoin. Au Tinelé Pébillé, Tintin Binzo, et Colonel Ibaku, Papa Lagué, Dola Star, Dofeb Montedi, devant, ça Nanini, ça l'Olympia. Tout tellement c'est pas tout pébélé, tout c'est qui c'est Mindele, ça serait super intéressant, quoi. Vraiment, je pense que c'est le moment finalement, parce que c'est les vacances, voilà. Activez-vous. Alors, déjà, moi, Dauphin, j'ai une invitation pour toi. Invitation? On va faire Paris et New York. Tu le vois, oui? Ouais. Arrête. Parce que ça, c'est en ce moment, en ce moment, ils sont en train de produire le. Poto! La mort de Michael. Au conseil, la mort de Michael. Non, arrête. Hey,
avec la mort de Michael, ça a vraiment débouché sur. Donc, ils ont, hey, ça a rapporté plus que son vivant. C'est vrai. Donc, ils sont en train de faire. Il y a des Michael partout. C'est Et vrai. Je pense que toi, tu es l'original sosie de Michael. Oh, yes. Ouais. Take a lover boy. Yeah, you got it. Non, get low boy. Don't get low boy. Merci. Est-ce qu'on peut appeler pour Niguez, s'il vous plaît? Un peu très fort, l'artiste. Quand on parle devant la télévision, ça veut dire qu'on blague, c'est pas de la blague. J'ai reçu une invitation, je vais faire un tour. Je vais venir à Paris. Manuela, je viendrai à Paris. Nikki, je viens à Paris. Ah non, ce sont mes potes qui sont en France. Lewis Lomboto, je viendrai à Paris. Il y a encore Kiki à Paris là. Amédée, je viendrai. Il y a encore Kiki là. François Hollande, non, il y a. Kinshasa bourré de talents, Kinshasa bourré de sosies. Mesdames et messieurs, voici les sosies exceptionnelles de joueur Neymar. Check. Oui, bonjour, RDC seulement, c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre qui est là? Non, bonjour, c'est le meilleur RDC. Le sosie de Neymar, tu sais qu'il te ressemble à Neymar? Oui, je sais. On te le dit souvent? Oui. J'avais vu un autre sosie. Monsieur Dan, on fait du bruit pour Dola Star. On l'appelait pour Dola Star. Merci, on l'appelait Dola Star. Bonsoir, monsieur. A côté de la cabine, à 4 courants, je suis obligé de faire un don à la salle de métier noir, ma maestro, je suis sensibilisé à la cabine à courant, je suis monté dans 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 la cabine à courant, Bande quoi, comme on a ma tata, vous savez, n'a bien mis à voir, n'a au couvre. Ma tata boula, si bizarre. A tigre la salopette, sur la. N'a deuxième one. Ma tata, vous savez, on s'était carré. Tout le monde, ma tata, maman, bima. Oh, Nina, moi, à ce que Nina, moi, à baby, t'es ma route, le fellow. N'a autre cata couna, à ta coura pour le sou dans la posa, sa tata la mat. Merci.
Merci de la star. Merci de la star. Alors, Nigisi, viens rapidement parce que quand j'ai dit l'émission se passe le jeudi, tu as rendez-vous avec Ouerasson tout à l'heure là, parce que tu viens de nous quitter vite fait. Et pendant que tu vas nous quitter, on va aussi préparer déjà l'élément que Félix Oiseco a eu à faire pour ces 6 ans de la disparition de l'artiste qu'on appelle Michael Jackson. Nigisi, c'est un message à annoncer à tous les Congolais, à toutes les personnes qui vont d'ici là savourer ta bonne musique. Qu'est-ce que tu leur diras? Un très grand respect et un grand merci au public qui est présent, aux téléspectateurs derrière leurs écrans. Le Congo, tu vois, il y a la galère en Afrique, mais on est là quand même. Voilà. Voilà. Il y a un Dieu là-haut. Un jour, le Congo, c'est le futur. Merci. Donc force à tous les frères et toutes les sœurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir de t'avoir connu. Mr. Mike, a.k.a. Michael Jackson. Thank you. Yes. Et tu es ici pour combien de temps? Tu rentres dans... On est là pour affaires, donc on va voir comment ça évolue. D'accord. Voilà. D'accord. Donc je serai souvent là, je ramènerai... Oui, parce qu'on a... Non, de toute façon, je suis partout, Bior, je suis partout. Est-ce que voilà. Tu as des dédicaces, des salutations à faire à des potes qui te suivent? Donc un grand merci à mon équipe qui m'ont accueilli, donc JR de Macris Productions, Rolly Makiki, Romeo Golf. Ok. Voilà. Mon entourage... Sarko de sans oublier l'ingénieur de Kassav, sans oublier l'équipe technique derrière. Voilà. Donc Solange Chabou, Julien Moulélé. Qui recycle en son. Ouais. Voilà. Et tous les staffs. Ouais. Tous les staffs. D'accord. Voilà. Et, mon gars Kebs. Kebs. Voilà. L'ingénieur Kebs. L'ingénieur Kebs. Le petit-fils de King Kester et Menea. Voilà. Voilà. Merci et, beaucoup. C'est que j'aurais oublié donc prochainement donc. Pas de souci. Alors pendant que Negesi va à partir parce qu'il a rendez-vous vite fait avec son excellence l'ambassadeur de la paix Ngiama Makanda Ouerasson à qui j'ai dit respect. Merci Ouerasson de m'avoir envoyé. Tadé. Merci Ouerasson de m'avoir envoyé Nicodème pour l'émission que les gens sont en train de demander, de redemander toujours. Mais lui que la prochaine personne qui va venir, qui viendra de l'orchestre Wenge Musique à Maison-Mère, c'est... C'est Bondo, les machines du Congo, flamme, plutôt... Nani? Papi Kakol. Ya Kakol. Ya Papi. Ya Papi, t'en as un monde là. Merci beaucoup. Alors, on laisse qu'on peut pour vous, Ouerasson, s'il vous plaît, parce que... Ouerasson a reconnu en fait la valeur de cet artiste et il a demandé de venir aujourd'hui à la Zamba Playa. Merci beaucoup Negesi, on va séparer avec toi. Donc j'ai un big up à ma sista qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Okay. Chance la vie. Ok. Et Matt, la femme à Rolly Makiki. D'accord. Je t'ai fait un truc pendant que tu sors. Yes. Et on va préparer le truc, l'image de Félix Oiseco. En okay, fait, tu vas faire un truc en anglais, je sais pas moi. My flow's like click click automatic gun. My voice make bitches wanna have fun. Keep begging for more as soon as I'm done. She whisper my hair boy fuck Tommy on. Got your boyfriend call now bomb one. I think my girl cheated on me. Where you gon' fuck leave me lonely. I swear to God girl you be only. Thank you, merci. Voilà Negesi. Alors Félix on fait quoi? On se retrouve tout de suite pour des annoncés. Merci. Félix on fait quoi? Je vais dire tout. Bon évidemment sauf le mauvais côté. On ne peut pas dire simplement qu'il y avait des bons côtés, mais il y a eu certaines choses aussi qui l'a fait, qui a un peu gêné les gens. Mais là, je suis là surtout pour parler du bon côté. Parce que si on veut trouver du mal, on peut le trouver même en Dieu. Parce que même pour Dieu, il y en a qui disent que voilà, il n'existe pas, pourquoi il y a ceci. Non, c'est mieux de parler. Moi, je pense à Michael Jackson d'abord comme un grand danseur, grand chanteur, un fin chorégraphe, et même si certaines chorégraphies n'étaient pas de son inspiration, mais en tout cas, il savait les exécuter. Et cette rigueur dans la chorégraphie, voilà, c'est ça ma faiblesse envers Michael Jackson. Surtout cette façon de vouloir apparaître, d'abord avec des tenues qui vous captivent. Hein, il a beaucoup joué sur l'apparence, c'est ce qui explique d'ailleurs ses chirurgies esthétiques. Il a tout fait pour pouvoir plaire aux gens. Que ce soit au noir, au blanc, et vraiment il s'est dépassé dans ces domaines-là. Mais je regrette seulement une chose, pendant qu'il voulait se transformer sur le plan physique, la médecine n'était pas encore assez développée, et surtout la chirurgie esthétique n'était pas aussi développée comme aujourd'hui, sinon il aurait eu tout ce qu'il a voulu faire sur son visage, sur son corps. Donc c'est tout, la musique, et surtout Michael Jackson, ce sont les clips. Avant, je dirais qu'on faisait des documentaires filmés ou je ne sais pas. Mais c'est lui qui est venu avec les clips. En y injectant
quelque chose du cinéma. On va voir dans ces clips, vous avez des réalisateurs comme Steven Spielberg. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça derrière la caméra ou comme réalisateur, ce n'est plus un clip, c'est un film que vous avez. Voilà, donc il a su choisir ses partenaires, il a su travailler avec des talentueux, et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Mais c'est aussi un bosseur. On voit quelqu'un depuis à peu près l'âge de 8-9 ans, et qui est dans la musique, qui n'a pas fait pratiquement pas autre chose que la musique. On comprend bien finalement au point où il est devenu. On comprend bien que c'était les fruits du travail. Oui, d'abord, pour la petite histoire, donc j'ai fait un concert à l'Olympia. C'était le 10 avril 2009. Et le matin du concert, voilà, on m'a surnommé le Michael Jackson africain par rapport à ce que j'avais fait sur le podium. Non, les gens ont vu seulement la rigueur, que le musicien exécutait le même pas, que je me donnais beaucoup personnellement à faire la scène. En fait, c'est ça Michael Jackson. Il comptait d'abord sur lui-même, c'était lui le spectacle. Donc, pour répondre maintenant à votre question, c'est-à-dire que je pense qu'il nous a laissé un syllabus. Il nous a laissé de la matière. Il suffit de voir. Parce que pour quelqu'un qui sait apprendre sur l'État, il va comprendre tout de suite qu'est-ce qui faisait le succès de ces garçons, disons de ces messieurs, Michael Jackson. Beaucoup de rigueur. La rigueur commence d'abord au niveau des répétitions. On voit Michael Jackson pleurer parce qu'il y a ces danseurs qui n'arrivent pas à exécuter ce qu'il a prévu. Ça, il faut le faire. Donc, et après les concerts, il débriefait pour dire que voilà, telle personne a fauté dans tel endroit, tel. Donc, il comprenait bien ce qu'il faisait sur scène. Voilà. Alors, moi, j'ai seulement copié, si vous voulez, cette rigueur dans la chorégraphie. Plusieurs personnes doivent danser comme un seul ou une seule personne. Donc, on doit être à plusieurs, mais on fait le même mouvement. Il ne faut pas improviser quand nous sommes dans la chorégraphie. Quand vous faites les solos, entre guillemets, dans la danse, à ce moment-là, vous pouvez improviser. Il y a ça. Et surtout de l'originalité. Il ne faut pas faire des choses qu'on a vues ailleurs. C'est pourquoi, moi, on me surnomme le Michael Jackson africain, mais je ne danse pas les pas de Michael Jackson. Je fais les pas, quelque part, qu'il aurait dû faire, en fait. C'est ça, un peu la différence. Il y a des jeunes qui imitent Michael Jackson, vous lui mettez la chanson Thriller, bon, il vous danse ça du début à la fin, moi je ne peux pas faire ça. Moi je préfère, dans son esprit, dans cet esprit-là, faire quelque chose, je me dis, il aurait pu faire ça. Ou ça l'aurait pu intéresser. Voilà, c'est pourquoi on me compare à Michael Jackson. En fait, c'est les surnoms que j'ai eus après mon concert à l'Olympia, sur la façon dont je me suis comporté sur scène. Les gens se sont dit, mais quelle rigueur. Et il s'est passé une chose ce jour-là à l'Olympia. J'ai vu des gens pleurer, donc c'est-à-dire avec des larmes séchées après le concert, alors que je le voyais dans les concerts de Michael Jackson. Donc les gens étaient étonnés de me voir me comporter comme ça sur scène. Moi, c'est la scène. L'artiste, il peut faire tout ce qu'il veut au studio. L'artiste, il peut faire tout ce qu'il veut au studio, c'est bon. Il peut faire des très beaux clips, c'est bien. Mais c'est dans les lives où il n'y a pas de trucage, où il n'y a pas de maquillage. Vous êtes sur scène, vous chantez faux, on le sent tout de suite. Vous dansez mal, on le sent tout de suite. Et c'est cette partie qui m'a beaucoup intéressé en Michael Jackson. Le live, d'ailleurs, beaucoup de grandes stars américaines ou du monde n'arrivent pas à faire les lives. Voilà. Alors moi, je me suis dit, s'il s'est distingué sur les lives, ça doit être aussi mon point fort. C'est pourquoi j'ai fait des génériques. Je fais un effort de faire danser des gens. Bon, si par exemple aujourd'hui vous m'invitez pour parler de lui, je pense que vous avez vu quelque chose. Hein, vous avez vu que non, voilà, il a su faire quelque chose. Moi, je ne veux pas imiter Michael Jackson, mais je veux faire des choses qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui Michael Jackson pouvait être vivant. Non, pas la correction, on ne peut pas, lui c'est le roi. C'est-à-dire faire des choses qui pouvaient aussi l'intéresser. Voilà, donc, et je pense que de ce côté-là, j'ai réussi. Quand il y a eu la francophonie dans notre pays, on a été à plusieurs d'ailleurs à jouer sur scène, mais après,
Le verdict, c'était quoi? Voilà, c'était Félix, c'est quoi? Notre Michael Jackson africain qui a su faire un show mieux que les autres. Je ne dis pas que les autres ont mal joué, mais dans chaque prestation, il y a quand même un premier, un deuxième, voilà, etc. Et je suis aujourd'hui très content qu'on puisse me compter comme un bon chorégraphe, un bon danseur dans mon pays, bien que je sois chanteur aussi. Moi, je pense que quand il avait fait certains albums, il était déjà bien physiquement. J'allais lui demander qu'est-ce qui a justifié les autres interventions chirurgicales. Je pense qu'il en a fait trop, hein, dans les soucis de la perfection. J'allais lui demander ça. Et puis, j'allais lui demander surtout de ne pas oublier, quelle que soit la couleur qui s'était donnée, c'était un noir. Il n'a pas fait beaucoup de concerts en Afrique. Okay. Ça, j'allais lui dire, pour moi, il faut qu'on fasse beaucoup de concerts en Afrique. Okay. Parce que c'est de là où... Moi, je me rappelle quand je suis parti en Europe, par exemple, il y a quelqu'un qui me disait, les jours où vous voudrez épouser une femme, il ne faut même pas épouser une Antillaise, parce qu'ils se croient plus blanches que les blancs, que les blanches. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent se comporter plus blancs que les blancs. Voilà, c'est-à-dire que... non, moi, je voulais surtout qu'il descende, qu'il comprenne là où il vient. C'était l'Afrique, bien que ce ne soit pas lui-même, mais que ce soit ses ancêtres. Mais il n'a pas beaucoup séjourné en Afrique. Et ça, c'était le reproche que j'allais lui faire. Sur son aspect physique, je pense qu'il en faisait beaucoup. Et puis sur le fait qu'il venait de l'Afrique, en tout cas ses ancêtres, il devait surtout beaucoup venir en Afrique. C'est que vous êtes à plusieurs, mais vous devez faire en sorte que quand on vous regarde, c'est comme si on a dédoublé les images d'une seule personne, ou on a multiplié les images d'une seule personne. Vous devez faire la même chose. Parfois même, il faut choisir les gens qui ont la même taille. Pourquoi pas, j'allais dire, la même morphologie. C'est-à-dire, il faut que ça soit vraiment pareil. À ce moment-là, voilà, il faut uniforme. Hein. Et je pense que ça, c'est déjà une réussite. Et il y a des mouvements que vous pouvez exécuter seul, ça ne touche pas beaucoup. Mais quand vous êtes à plusieurs, ça devient quelque chose. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme au stade, quand il y a un but. Une équipe vient de marquer un but, si vous êtes les seuls à vous lever à dire wow, ça n'a pas de sens. Mais quand vous êtes à plusieurs, vous voyez, ça accompagne bien le but. Donc c'est un peu ça l'esprit de la chorégraphie. Donc vous allez faire quelque chose à plusieurs, et c'est en le faisant à plusieurs que ça va donner effectivement l'idée qu'on s'attend ou qu'on pouvait s'attendre de la chose. Non, je le fais tout seul, je vois un peu, voilà. C'est-à-dire que j'ai compris l'esprit, j'ai compris ce qu'il voulait. Voilà, si moi je suis sur scène, vous pouvez peut-être voir une ou deux choses ressembler à Michael Jackson, j'allais dire peut-être 5%, mais les 95%, j'essaye d'être moi-même. Parce que moi je me dis, ce que Michael Jackson a fait, est-ce qu'on ne peut pas continuer ça? Est-ce qu'il faut qu'on soit là toujours en train de copier ce qu'il a fait? Non. On peut faire quelque chose qui vous rappelle Michael Jackson, mais sans pour autant. Par exemple, moi, j'ai la barbe, lui, il n'en avait pas. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est dans mon comportement que les gens voient que je me comporte un peu comme lui. Donc, c'est-à-dire, on peut pasticher plutôt, c'est-à-dire imiter quelqu'un sans pour autant vouloir être une copie. Voilà. Donc, c'est dans l'esprit. Ouais, tu l'air, donc je pense que ça m'a beaucoup étonné. Ça, vraiment, je me suis dit, comment on pouvait raisonner comme ça? C'est la preuve que c'était une personne qui pensait à faire des choses qui n'avaient pas encore été faites. Bon, là, je ne suis pas vraiment venu pour danser. Hein, il faudrait d'autres chaussures, parce que ce que je porte là, c'est sorte de chaussures assez lourdes. Mais je ne pourrais pas, j'essaie de le faire, mais je ne pourrais pas parce que à cause de la tenue que je porte, parce que tout était lié. C'est pourquoi on le voyait souvent changer de tenue à peu près sur scène, parce qu'on ne peut pas faire la même chose avec n'importe quelle tenue. Hein, il faut s'adapter, il y a des chaussures qu'il faut pour faire des pas en arrière. Il y a des trucs qu'il faut, voilà, donc c'est ça. Oui, comme l'avait dit sa fille, c'était un cadeau. Vous ne pouvez pas comprendre, c'était un cadeau. Quelqu'un, vous avez envie
de l'écouter parler. Quand il est sur scène, comme si il faut pas que ça s'arrête. Quand il fait une interview, on a envie de l'écouter. C'est-à-dire, tout était spectacle chez lui. Sa façon de danser, sa façon de parler, tout ce qu'il faisait, c'est pourquoi on pouvait résumer. Je le fais comme sa fille, c'était un cadeau. Vraiment un cadeau pour la, j'allais dire pour la nature. Moi, j'ai dit, c'était une fleur qui par moments pouvait s'effaner ou pas s'effaner, peut-être s'est renfermée parce que c'était la nuit. Mais tant qu'il faisait jour, la fleur était là et vous faisait plaisir. Vous voyez quelqu'un qui avait fait à peu près plus de 15 ans sans pour autant faire des spectacles, mais il était toujours poursuivi par des caméramans, par les médias, par les paparazzis, et il était toujours l'idole des gens. Voilà. Et moi, j'ai dit que le monde a perdu quelqu'un. Si je suis là aujourd'hui pour parler de Michael Jackson, je voudrais qu'un jour, on n'ait pas les pierres. Moi-même, un jour, je disparaîtrai aussi. Je voudrais bien que voilà, les gens aussi, un jour, puissent se réunir, puissent parler de ce que j'aurais apporté dans la musique, le verbe, pourquoi pas, ou peut-être aussi cette rigueur dans la chorégraphie. Voilà, pour moi, j'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un frère, j'ai perdu un maître, un roi. C'est quelqu'un, depuis qu'il est là, vous voyez les clips, il n'y a plus de clips pour moi. Hein, parce que les clips, c'est d'abord les moyens et de l'imagination. Bon, nous, en Afrique, on a de l'imagination, mais on manque cruellement de moyens. Voilà. Et il est parti avec ses secrets. Il n'a pas écrit, du moins il a chanté. J'aurais bien aimé qu'il écrive vraiment. Mais pour moi, qui sait comprendre un peu plus vite, je peux dire que j'ai son livre. Les livres qu'il n'a pas écrit. Mais moi, je l'ai. Merci mon papa, merci. Il aurait souhaité être avec nous, mais il y a eu un petit empêchement. Vous voyez que l'artiste pour la vacances ou la période est tellement trop sollicité. Merci Félix Wazekwa, est-ce grave ou quoi bongo? Merci pour tes conseils que tu m'as fournis. Merci pour avoir parrainé aussi Bissot. Merci pour ce que vous avez fait pour B1 en général. Merci. Maintenant, Kabouana, ici c'est Oyo. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un bébé, maman, bébé, 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 bébé,